Hey yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Satisfactory. Alors, j'ai fait un peu le plein de... Bon, le plein ou pas, mais enfin, disons, de, je pense, une ou deux heures de cadre modulaire. Allez, une bonne heure, on va dire. Pour pouvoir faire avancer les phases. Donc, on va s'avancer au niveau des phases tranquillement. Et je voulais voir aussi... Où c'est que sont transports. Je sais pas si c'est là. Hypertube. Yes. Ah, ça demande de l'acier. Ah ouais. Ah ouais, l'hypertube demande de l'acier. Bon bah, ce sera pas pour de suite. Hein, les trajets accélérés, ce sera pas pour de suite du tout. Bon bah, on va valider ce choix. On va faire les transports motorisés. Je sais même pas motoriser avec quoi parce que... Comment dire on n'a pas de carburant en fait. Enfin, le seul carburant que j'ai c'est de la biomasse. Ce serait motorisé avec de la biomasse, c'est quand même bizarre. C'est pas très grave. Hop, et là je crois que j'ai quelques trucs à jeter. Ça, du minerai. Je sais pas si ça prend le minerai, tiens, bonne question. On va augmenter aussi la vitesse. Voilà, ça a l'air de manger le minerai, hein, impeccable. On va pouvoir mettre ensuite tout ça là-dedans, on n'en veut pas. On envoie... La capsule. Milestone reached. Tractors permit pioneers to move around the world in a manner similar to using legs, except with wheels and the rampant consumption of natural resources. They can also be automated to self-drive and deliver resources between truck stations, which in turn facilitate automation of loading, unloading, and refueling. Carburant, tout type de carburant. Donc en fait, c'est de la biomasse. Hein. Ah ouais. Ouais, pas terrible. Eh, merci. Donc biomasse, donc pas ouf. Je voulais voir aussi au niveau de l'architecture... C'est pas l'architecture, mur, fondation. Un peu... Pas... Ah, c'est... C'est ça qu'il me faut. Fondation en béton. J'ai un ticket sur dans mon stock et là j'ai zéro ticket. Bon. On va y mettre quelques plaques de fer renforcées. Je crois que je dois en avoir. Ouais, là. On va lui faire manger des plaques de fer renforcées et on pourra améliorer. Ah ouais, c'est tout. Allez, je suis pour autant, tu sais quoi. Je lui en fais bouffer quelques-unes. Ça lui fera du bien. Hop là, toi tu manges ça, ça et ça, voilà, ça devrait être suffisant. Là, on va voir au niveau des technos, si on a des... Ah, l'analyse du disque dur était terminée. Hard drive analysis completed. Alternative recipe selection available in the MAM. Ah ouais, c'est ça que je veux. Bon, je l'ai pas encore débloqué parce que... Ouais, mais non, ils ont peut-être changé. Lieu de production, on ne sait pas encore, donc je vais prendre ça, je crois que c'est par la raffinerie. Et ça, en vrai, c'est trop bien. Débloquer votre première formule alternative, impeccable. Électrolimace, j'ai pas trouvé ça, je n'ai pas de... Ce qu'il faut, le mycélium. Oh non. Non. On me dit pas que j'en ai 4 et... Oh, ça c'est triste. Oh, ça c'est pas cool. Oh, j'en ai 4, il en faut 5. Bon bah je lui renvoie un disque dur, je crois que j'en avais un. Merde, foutu quoi. Je l'ai peut-être rangé. Oui. Je vous avoue que j'étais pas serein sur le moment. Voilà.
Au niveau du retour de la capsule, on va faire production d'acier de base. Hein. Là, j'ai pas spécialement le choix. Fonderie, on débloque la fonderie. Sécurité actuelle. Ouais, on va faire ça plutôt. Ça nous donnera plus de d'emplacement. C'est vraiment bien. Ça demande quoi? Des tiges et ça demande ça. Pam, pam, pam. Et quelques tiges. Ici. C'est en train de me dire, attends. Déjà, c'est pas le bon truc, de deux, ça part. Qu'est-ce que c'est que ce délire? The Xenobasher is a direct upgrade from the Xeno Zapper. In the words of the engineer that first developed this tool, quote, the Zapper kind of electrocutes things, the Basher straight up smacks stuff, while also electrocuting them, unquote. It is beneficial during encounters with aggressive fauna and has been tested thoroughly. The engineer's noble sacrifice for Xeno research will not be forgotten, whoever they were. Luc, je suis ton père. Stylé. Bon, c'est un peu trop grand, donc hop. Ça, c'est pour faire de la vie, je crois. On s'en fiche. Non, ça, c'est en vrai. Allez, prochaine techno. Donc là, je crois qu'on va pas avoir le choix que de faire la production d'acier. Hop là. Donc, on doit avoir tout ce qu'il faut. Hein. Ouais. Même les rotors, on a ce qu'il faut. Je manque un peu de câbles et de fil. Ah non, j'ai pas ce qu'il faut en fil, tiens. Même en béton. D'ailleurs, la béton, ou le béton, on voit vraiment qu'on a augmenté au niveau de la prod. Elle est pas photo. On va chercher quelques câbles. Ah ouais, vraiment augmenté. Hein. Le fait d'avoir repassé les débuts de circuit en MK2, fait de ouais. Passer le début de circuit en MK2, ça nous a vraiment bien augmenté la production. Hop, on va aller chercher quelques câbles. Est-ce que je ferai, à mon avis, ce qu'on va faire dans la deuxième partie de l'épisode, c'est améliorer la prod d'électricité. Oh, si bon. Ah oui, c'est bon ça. On va en prendre soin parce que les bons, c'est pas facile à faire au bout d'un moment. Et je vais revenir en arrière, super. Merci. On va sur le béton. Parce que c'est un asphalte. Dans tous les cas, fondation en béton, ce qui fait que je vais pouvoir faire ça, qui va me consommer certes plus de béton, mais au moins ça me consommera qu'un seul truc. Voilà. Je débloque les doubles rampes. C'est clairement mieux. Par contre, c'est 7 de béton la construction. Donc on va faire quelque chose. Tiens, tu sais quoi? Eh, je peux? Non, j'ai pas le droit de quoi là. Bon. Oui, bon déjà. Tac, 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 tac. Voilà. Milestone reached. Coal and iron can be combined in the foundry to start steel production. Project part number 2, the versatile framework, can only be created via automation, not at a crafting bench. Delivering these to the space elevator is essential if we are going to complete phase 2 project assembly and save the day. Fix it and humanity is relying on you.
boum. Du coup, on produit 300 par minute, ce qui ne sert absolument à rien. C'est très con. Ah, ouais, ah, ça c'est chiant. Non, mais en fait, c'est con parce que. Mais j'ai pas les convoyeurs nécessaires. Donc là, déjà, je produis 120. Et mes convoyeurs, ils font 120 dans tous les cas. Donc, pas utile, pas utile du tout. Quand j'aurais développé les convoyeurs, peut-être. Hop, tac, et... ce que je vais pouvoir faire, c'est aller chercher quelques retors... Oula. Ah, quelques tiges de fer aussi. Hein. J'avais pas vu les tiges de fer, dit ça... Fondu comme neige au soleil, hop. Quelques tiges de fer, je vais chercher quelques rotors et du béton et je vais aller construire le reste de mes centrales. En attendant que tout produise un peu là. J'ai pas grand chose d'autre là à faire. Faudra que je retrouve du charbon, je sais plus où c'était d'ailleurs. Du charbon, il me faudrait du fer à côté. Ouais, c'est beaucoup demandé, je sais que là-bas j'ai du charbon. Est-ce qu'il y a du fer à côté? Est-ce qu'il y a du bon fer à côté surtout? Après, ce que j'ai exploré par là, non, j'ai pas plus exploré que ça. Ouais. Ah non, mais là-bas au nord c'est l'impur. Ah ouais, ça va être un peu embêtant. Alors que je ramène tout ça, c'est pas bien grave. En vrai, tiens, ce que je peux faire, c'est que là je prends les rotors. Ah, j'ai pas laissé les tickets. C'est con ça. C'est que je vais partir en semi-exploration. Qu'est-ce que j'appelle une semi-exploration? C'est qu'en gros là, je vais vouloir monter là où j'ai ma prod de charbon par là. Donc je pense que je vais faire un petit détour comme ça et je vais voir. Et je vais essayer de voir si je trouve pas du fer, des gisements de fer ou des trucs comme ça. Ah. Normal. Normal. C'est mieux que rien. Au pire, je pourrais le booster avec des éclats de charge. Ah ouais, ça me parle par là. Non, je me suis trompé. Bon, disons que c'est mieux que rien, quoi, au niveau du fer. Bon. Faudrait que je descende, mais on va pas descendre là. Vache. Sacrément escarpé dans le coin, quand même. Ah, voilà. Un peu de haut là. Oh, j'ai pris cher. Hein. Je pensais pas être dans la zone. Bah tiens. J'avoue, j'ai eu un petit coup de stress. Hein. Hop, voilà, on continue par là. Hop, super.
à la montée là-bas. Ah oui, il y a du mycélium aussi qu'il me faudrait. Bon, ça, en partant, j'essaierai d'y penser. Parce que tout ça, les cactus et tout, ça donne du mycélium, il me semble. Hop. Il y a un truc de mesmer, on s'en fiche. Oui. Allez, on n'aura même pas mis les pieds dans l'eau. Trop fort. On dirait une sorte de main, ça, c'est chelou. Essayer de passer un peu plus loin, là. Oula. Ah oui, bah c'est maman sanglier là. Aïe. On va se barrer parce que maman sanglier elle est pas drôle. Hop, voilà. On retrouve notre petite montée là, notre petite prod de. C'est quoi ici déjà? C'est cadre mondial. Oula. Oui, c'est vrai que là j'ai une électrolimace aussi qu'il faudrait que j'aille chercher. Bon, j'ai trouvé du. Tiens, on va redonner un petit coup de détecteur de métaux là. Hein? Pur? Oh? Pur? Pur? Oh! Oh oh! Là, ça peut peut-être valoir le coup de ramener vu que le charbon il est par là. Là j'ai du pur. On va voir combien ça me consomme en charbon et en fer l'histoire de l'acier. Parce que si j'ai pas besoin de trop. Enfin si j'ai besoin de plus de charbon, que j'ai besoin de fer, machin, bon, normalement c'est l'inverse. Enfin je crois. Oh tiens, bonne question, je sais qu'en quantité, pourcentage. L'acier contient rarement plus d'1% de carbone. Il me semble pas que ce soit 1% de carbone. Ah oui, il y a ça que je voulais faire aussi. Je voulais faire passer les tuyaux par en dessous. C'est quoi? Merde. Je vais dire, c'est le moment. Logistique. Coffre. Tac, tac, tac. Tac et tac, voilà. Endure du risque. Non, c'est pas ça. Non, c'est mieux pour le sol. Et là, la question, c'est... Non, ça fait pas. Non, pas que non, ça. C'est quoi la touche là? C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc là, on va... configurer tout ça. Tac. Voilà, ça me paraît bien. Je peux pas près là, vraiment. Là. Ah ouais, non. En plus, ça déconne pas. Ça me va aussi. Ça te tendu cette histoire aussi. Ah oui, ça va être tendu, j'avais pas vu la place qui me restait moi. Ah putain, le tuyau est en plein milieu là, c'est vraiment terrible ça. Il va falloir relancer à la mano. Ok, tac, tac, tac.
bah oui, il y a ce problème là aussi, problème de hauteur. Si je faisais ça. Merde. Ça, ça devrait fonctionner. Oui. On va faire ça. J'espère qu'il y a encore un peu d'eau dedans, histoire que ça continue d'alimenter un peu. J'ai pas envie de relancer manuellement en fait. Une dérivation là pour la dernière partie du circuit, c'est pas grave. Voilà, alors les traits là qui devraient être qui devraient dire bah là il y a le truc en face, tirer les pipelines. Je me suis arrêté pile devant. Je suis content pour une fois. Des habitudes de l'époque sur d'anciens boutons, parce qu'à chaque fois je me trompe de bouton. Donc je vais inverser. Je vais inverser la L2. Tac tac. Voilà. Si je reprends les mêmes habitudes, ça me saoule. Si là je reprends les habitudes que j'essaie de prendre à l'instant, je. Hein? Ça va pas être cool. Pas. Est-ce que je peux rapprocher un peu plus en vrai? Ouais, pas plus que ça. Hein. Ok, donc là j'ai ça, et là il faut que j'envoie celui-là. Voilà, ça c'est toujours la galère. Voilà, chercher ça. Est-ce que je peux essayer de faire? Ouf. Il y a des murs. Il y a des murs.
fait, là, il faudrait que je sois sur le truc du dessus. C'est-à-dire que là... Que je sois pile sur le même, mais au-dessus, quoi. Comment je peux me débrouiller pour faire ça? J'ai pas grand-chose encore en plus. Des fondations. Ouais, c'est là. C'est trop. Ah non, c'est trop. Tiens, là par exemple, là, si je fais ça, ça donne quoi? Le cran au-dessus. C'est pas un cran, c'est un demi-cran qu'il me faudrait. Alors là, faire un demi-cran, là, j'ai pas. Parce que là... Ah si, c'est ça. Attends, il y a moyen de faire ? Facile ? Attends, j'ai pas testé. Mais là, je suis pas bon en hauteur. Non, ils ont rajouté. Ouais, non, 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 c'est pas très beau. Ok, bah y a plus qu'à faire ça. Attends, c'est pas beau, c'est pas propre, c'est pas droit là, c'est où c'est moi. Oui, non, c'est pas droit du tout là. Qu'est-ce que j'ai foutu là? Là, là. Attendez. Comment j'ai réussi mon coup là pour faire ça? C'est pas logique. Attendez. Ah ouais, d'accord. Ah, j'ai cru, mais en fait non. Hein? Ah mais attends, mais... Là c'est propre en vrai, là tu vois, c'est vraiment l'un au-dessus de l'autre quoi. Ok. Ah, je dois refaire ça tout le long là. Oula. Ah oui, par contre, je vais refaire ça si je veux pouvoir monter dessus. Hop, on est à peu près là. Tac, voilà. Non, pas du tout. Tac, voilà. La même fois était la bonne. Alors, peut-être faire comme ça avant. Ce tuyau, je vais le faire de la même principe et ensuite du même principe et ensuite j'irai en choper un autre un peu plus loin. Hop, tac, tac. Est-ce que je suis bon? Ah. Non. Ah oui, en plus j'étais pas en face. Ouais, d'accord. Attendez, mais c'est trop bien. Oh. Bref. Ok. J'y arrive pas aujourd'hui. Voilà. Ici. Comme ça. Et là, je veux savoir jusqu'à où je peux aller à peu près. On va tricher un peu. Voyons voir. Ici, ok. Ici, ok. Ici. Grosso modo là, et à dire jusque là c'est à peu près bon. Je
Tac. Ouais, on est à la bonne hauteur. Bah non, on n'est pas du tout à la bonne hauteur là. Qu'est-ce que j'ai foutu? Je les ai pas mis les uns au-dessus des autres. Voilà. Alors, on disait. Là, tac, tac. Je pense qu'on est bon. Ok, là, tac. Facile de monter sur ces pipelines, hein. Vraiment pas facile. Ok, et est-ce que là je peux dire ouais hein, ça a l'air d'être pas mal. Ah, par contre je... voilà, juste voir moi si l'eau elle arrive à ouais, tu me diras ici c'est un peu idiot. J'en ai là, hop, ok. Par contre, ceux du bas. Bon, bah là, va falloir. On peut pas mouliner à la main un peu les turbines? Non, ça marche pas. Ah, oh, zut. Est-ce que je peux essayer en coupant peut-être ça temporairement? Là j'ai plus du tout d'eau. C'est ballot hein. Pas production. Tiens oui, fonderie. Alim, brûleur de biomasse. Heureusement j'ai de la biomasse. Voyons. Hop, je sais pas si ça va suffire. Dommage, ça aurait été trop beau. Tiens, redonne-moi la moitié, toi. Bon. Redonne-moi tout. Tiens, voilà. T'en bouffes la moitié. T'en bouffes la moitié. Ah, pourtant je suis relié en bas. Ah ouais, mais c'est peut-être pour ça. C'est que je suis relié en bas. Tu m'étonnes, la conso qu'elle est. Ok. Eh oui. Bon. Puis quand je me dis c'est bon. Non. Hop, là ça devrait être bon. La conso max. Ça, tant que ça avance pas, c'est dire qu'il n'y a pas de l'eau. Il n'y a pas d'eau. Donc là, ça fait quoi là? On voit que les pipelines du bas sont. Commencent à se remplir. Le charbon il commence à se remettre en fonction. Là, j'ai pas d'eau du tout là. Ah, mais attends, mais c'est encore de traviole là. Oh, c'est terrible ça. Ah, j'aime pas. Bon, attendez. Ouais, c'est chiant. Quitte à faire un truc, quitte à perdre du temps, t'en faire pas quoi. Voilà. On va faire ça tout bien, là, droit et tout, comme il faut. Non, mais c'est bon, ça me sort par les yeux, moi, les trucs là qui sont. Ils sont pas tirés droit, là. Ok, on est bien. Ok. C'est bon, ça c'est bon. Est-ce que ça c'est droit? Oui, je sais que tu fonctionnes plus, t'as plus d'eau, c'est normal. Ça m'a l'air droit. Bon. Au niveau de l'eau, j'ai. Quoi? Ça pompe plus là? Comment ça? Si, ça c'est plein d'eau, ça c'est plein d'eau. Ça c'est plein d'eau. Ok, on arrive. Là on est bon.
Là, ça se remplit. Là. Bon, ça a un peu du mal, mais j'ai qu'une seule pompe. Pourquoi pas. Là. Ça a du mal à se remplir, hein, j'ai l'impression. Je sais pas pourquoi. Oui, non mais c'est bon, je sais pourquoi maintenant. Ah. Bon. J'avais pas pensé à ça, vache. Bon bah on va plus couper en deux, on va couper en trois. tac. Allez, ça fait 29 à peu près. Hop, hop, hop. C'est bon. Les trois tournes, on ne devrait plus avoir de soucis d'eau. Une fois que ce sera... Une fois que ce sera rempli au niveau des pipelines. Bon bah, au final l'épisode ça a été... faire du propre. Quelques matériaux, mine de rien. Ok, là ça se remplit doucement. Ouais, des fluctuations. Ah, ça c'est normal. Je crois que j'alimente en eau pile ce qu'il faut, donc. Je vais mettre en pause deux. Juste le temps que les pipelines fassent un peu le plein. Ah, regardez. Ça a du mal avec l'eau. Ouais, elle a vraiment du mal à suivre. Je suis arrivé, tout est bien connecté. Si j'oublie de connecter à un endroit, c'est un peu couillon quoi. Ça a l'air d'être bon tout ça, ça a l'air de tenir le coup. Le charbon il arrive, il devrait pas arriver autant par contre. Ouais voilà. De temps en temps il se fait des petites pauses. Ça c'est plein. Ça se remplit donc ça veut dire qu'on n'est pas encore. C'est là hein. On voit qu'il y a certaines. Elle par exemple elle a pas du tout de flotte. Si elle est là la flotte. Ah alors. Un bug dans la bêta par rapport à quelque chose comme ça, c'est que elle arrive mais elle arrive pas. C'est très chiant. Voilà. En fait l'eau arrive mais sans arriver et bon c'est de la merde. Putain là, c'est pareil, l'eau normalement je devrais en avoir plus. C'est quand même bizarre ça. Là j'ai de l'eau à fond. Là j'ai de l'eau, c'est quoi le délire, c'est parce que c'est loin. Ou alors vraiment parce que c'est haut. J'ai la même hauteur pourtant. Alors j'ai pas une montée aussi brusque. Est-ce que c'est ça qui joue? Ah j'ai l'impression. Ah, enfin c'est pas logique. Bon là qu'il y en ait moins, c'est bizarre. Et là aussi, de toute façon, je viens d'arriver d'eau là toute propre.
Lui, ça, il va s'interrompre alors qu'il n'est pas censé s'interrompre. Lui, pareil. Pareil, mais j'ai plus de pression ou quoi? Elle est où ma flotte là, oui. Regarde, mes tuyaux, ils sont pleins. Un peu chiant. On va tester quelque chose, hein. Tester ça. Ah bon, je crois pas, j'ai pas le droit. Ouais. Ah mais le premier là il. Je peux le mettre là, c'est pas un souci. Pour l'alimentation, c'est chiant. Mais bon. Ici, avec les limes. C'est pas mon plus gros des. C'est pas le plus gros de mes soucis, quoi. Mais bon. La ligne, elle a une belle portée, la ligne, hein, quand même. Ok. Non, ça me fait chier parce que ça me fait consommer de l'électricité, ça aussi, en fait. Ça consomme combien en électricité? Là, je suppose qu'on est plutôt tranquille au niveau de la hauteur. Bon. Par contre, avoir mis deux tuyaux en hauteur, là, ça m'énerve. Je dois être bien. Très léger manque de pression, c'est pas trop pourquoi, c'est un peu chiant. On est bon. Ah, j'ai l'impression qu'un seul ça va être des soucis. Vraiment. On est bon. Ça n'a pas de sens. C'est pas très grave. On est bon. Bon. Par contre là il faut réactiver. En réactivant, je sais pas si ça va reposer quelques soucis. J'ai peur que oui. Le problème là c'est que je peux pas en mettre un là quoi. Il faudrait mettre une pompe ici, mais je peux pas quoi, je peux pas. Dans l'autre sens c'est pareil, de toute façon l'autre sens ça m'aurait pas servi. En fait là si j'en veux une, c'est ça qui est terrible, c'est qu'il m'en faut une comme ça et une comme ça. Non, comme ça. Mais c'est chiant. Il y a une conso de ça là, 4 mégawatts. Bah ouais, mais de rien, ça me fait perdre 12 mégawatts, hein, toute cette connerie là. Il y aura, c'est pas des masses, oui, effectivement. Oui. C'est toujours trop quoi. Voilà. Bon. Après, on va voir si ça tient 100. D'abord. La logique voudrait que oui, mais. J'ai pas l'air de galérer avec la flotte. Hein. Donc, une seule pompe a suffi. Ok. Pourquoi pas.
demanderai à mon pote qui travaille là-dedans pourquoi. Quelle est la logique? What is the fucking logic in this truc là? Hein? Bon, on va pouvoir rebrancher les lignes. Voilà. Comment ça? Conso max, conso. Ah oui, d'accord, ça va arrêter toutes les lignes, c'est pas le délire. Ok. Prod, eh ouais, parce que prod 600, conso max, presque 800. Là, vous allez me dire, ouais, mais la capacité, oui, effectivement, mais la capacité, ça compte des brûleurs de biomasse dégueulasses. Et pas très efficace. Surtout. La deuxième ligne. Ah, c'est toujours pareil ça. Ma deuxième ligne. Je vais la décaler un peu, je pense. Je vais la mettre. Alors, peut-être pas non plus là-bas, faut pas déconner. Hein. Mais je pense que je vais la décaler. Déjà ça aura deux avantages, c'est que je serai pas sur cette même ligne là, et là la deuxième c'est que ça me laissera un peu plus de place. On est bon au niveau hauteur ou on est très bon au niveau hauteur. Hop, et là j'ai pas besoin, non, si j'ai bien compté, 1, 2, 3, 4, oui. Et, alors, j'espère que j'ai assez. Ah ouais, mine de rien, ça devrait le faire. C'est que... Alors je vais juste voir au niveau du placement. Ah, ouais, je l'ai mis. Juste derrière. Maman sanglier là. Hop, voilà, tout ça se sera relié comme ça. Alors là je sens la chute venir, voilà, là en vrai je peux recouvrir. On s'en fiche, voilà, 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 et ben... Là je vais faire ma prod d'eau. Un petit peu plus au milieu du coup, hein, forcément, quelque part comme ça. D'ailleurs, je vais faire... Tiens, ah oui, non mais d'accord, ah ouais, mon fondation, ah ouais, c'est vrai que j'ai totalement oublié de changer mes fondations. Moi. Bah, je le ferai. Moi, j'y pense, ah oui, mais... Déjà surtout, il faut que je pense à faire ça en fait. Ça c'est ça, et ça c'est ça, voilà. Si la barre de raccourci elle est bon, ça va un peu mieux. Hop, là. Oh non. Oh, merde. Alors, 8, merci. Ah, j'avais pas pensé à ça. Ah, terrible ça. Bon,
c'est un coup de débroussailleuse là. Voilà. Là. Et là, on peut pas juste bon. J'arrive à quel endroit là ? Oh, c'est dommage. Ah ouais. Ah oui là c'est dommage. J'ai pas pensé. Avancer, est-ce que ça réglerait le problème? Pas vraiment. Bon, on fera un truc de spécial pour les derniers, là, des deux derniers, c'est pas très très grave. Hop, là on va placer les pompes à eau, une. Placement non valide. Ah putain, c'est ça. On va le faire de l'autre côté. Hein. Si ça fonctionne pas sur un côté, on va le faire sur l'autre. Hein. On n'est pas idiot non plus. Donc, alors, on va prendre un pouillat de marge. Une. Alors, ouais, on va peut-être s'adapter par rapport à là. Deux. Trois. Ok. Ok, ok, on est pas mal. Il me faut une ligne. Donc ici on a un premier, un second et un. Une pompe. Une pompe. Et puis une première, une seconde, une troisième. Voilà, je pense qu'on a bien préparé pour l'épisode suivant. Hein ? Oui, ça passe. Eh bon, on va se laisser là-dessus pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu. Et moi, bah, je vous propose de me retrouver très bientôt pour le prochain. Je vous remercie d'avoir suivi, c'était Tiob. Ciao!